Bélo, on dit souvent que quand on est dans son pays, on est particulièrement motivé. Donc je pense qu'il sera devant son public motivé pour donner le maximum. Pronostic. Ah, Cyril. Nous, on a parié sur le vélo. Eh bien, j'ai dit à ma femme, le cheval va le battre. Il va gagner, là, aujourd'hui, avec le contrôle cheval. Je sais pas. Eh bien, je le vois gagner, moi. Je le vois gagner. J'ai une chance sur deux, hein. Je fais pas de pronostic. Je connais bien les deux. Et je souhaiterais une dédite. Je me suis aperçu que ça avait drainé beaucoup de gens qui étaient fans de cyclisme. Et donc c'est intéressant parce que ce mélange des deux mondes, c'est toujours sympathique quoi. C'est un duel qui s'avance pas facile. Parce que bon, la piste sur laquelle courent les chevaux, elle a un revêtement qui est assez mou. Et nous avec les pneus, on n'a pas un bon rendement. C'est une piste que je connais particulièrement bien, qui ne devrait pas trop me déstabiliser. Disons le tracé, je le connais bien quoi. Donc on va essayer de faire le maximum, mais en tout cas, je pense que ça promet un beau spectacle, ça va être sympa. Allez papa. C'est une belle animation et moi j'en tremble encore là. Ça me met toujours à bloc ça, de regarder un sprint et... On pouvait pas rêver mieux puisqu'il y a eu égalité avec le cheval, donc voilà. Je pense que tout le monde est content, il y a un beau spectacle, ça n'a pas duré longtemps mais c'était intense. Thank you.